Toi là, tu vas dégager. Voilà. They can serve us now. Lord of Samus. Eh ben, Moment, t'as pris des niveaux. T'as pris un niveau, tiens. Bien, bien joué. Qu'est-ce que je vais te rajouter? Tiens, on va se faire ça et on va rajouter ça. Est-ce que je peux aller chercher le parent rond ou ça va être chaud? Ah oui, bah oui. Ah quand même. Ah ça calme, hein. Ouais, c'est un parangon d'élite, tu me dis. On va se reculer. On va pas faire les fous. Et je vais repartir par un marathon. Par contre, la Charistos, je vais la rendre à Achille. En espérant qu'il arrive à la tenir. Et je vais te demander un échange de 5000. Dix mille et 2000 de bois. Ah merde, c'est la pierre là. Alors 1500 de bois. Dégage. Bon, 1300, on va dire 1330. 5. Voilà, on fait des bons stocks comme ça. Par contre, là, il faut que je remobilise mes alliés là parce que bon, ça ne va point. Faut que je sois cohérent. Alors, toi, tu vas les taper là. Argos, tu vas les taper là. Et les autres, les s'occuperont des lycéens. Pas des lycéens, hein, des lycéens, les habitants d'ici. Ah bah tiens, il y a Sarpedon qui revient, ça tombe bien. Lol. Alors, Ajax, t'as encore pris des points, j'ai oublié. Je vais te mettre quoi maintenant? Allez, coup d'entretien pour l'unité de Parangon réduit, je vais prendre. Ah bah voilà, on va avoir des troupes plus intéressantes là. Peut-être que le marche forcé c'était pas le bon plan, mais bon. À la limite, on va voir ce que va faire lui. Ouais, ça va commencer à être intéressant là ce qu'on va faire. Donc là, la petite, elle va se renforcer un peu. Il me demande un accès militaire. Il me donne 50 d'or, je vais dire oui, sans hésitation. Voilà, je suis content. Au moins, on a battu tous les héros troyens qu'on voulait. Les quatre héros de la campagne sont battus, c'est déjà ça. Donc on s'est fait Hector, Paris, Sarpedon et Enu. Mais ils viennent pas chercher... d'accord. Dommage. Dommage, dommage. Voilà. Aïe, 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 on a des bâtiments endommagés. Ah, c'est le terrain des autres cons là. Bon, on va vite rentrer à Méga, on va pas traîner. On n'aura pas Athènes comme ça. On va essayer de recruter des troupes de qualité. On va réparer ça, ça et ça. Au moment, j'améliore rien beau ici. Je me concentre sur ma province capitale. Donc là, on a combien de surplus? On a 3 surplus, donc 4. La pierre, on en aura jamais. Il nous faudra de la pierre, de l'or.
defending the righteous. Et là, on est bientôt chez nous. Oh, pardon. On repasse le tour. Là, le but, ça va être de quoi? Ça va être de renforcer nos unités, remplacer les unités qu'il nous faut, et on va essayer de retenter notre chance contre le Cerber. Êtes-vous le Cerber de la porte? Bah, apparemment, oui. Et là, on aura nos unités moyennes qui vont pouvoir faire le poids, je pense, là. Non plus, là il me demande trop de trucs de merde, on va hésiter. Là ce qui est bien c'est qu'il semble, on dirait qu'il recrute pas. Enfin donne quoi. Ajax the Great. Alors dans deux tours on aura ça, ouais. With haste. Alors déjà, les trois miliciens là, on les vire. Bon, les frondeurs, ouais. Ça, on pourrait recruter hein, ces guerriers là. Mais j'ai envie de partir. Donc, alors on a combien de marins? On en a 5. On va en rajouter un sixième. Déjà ça c'est fait. Le frondeur de base, on va le dégager. Staunch ally. Les frondeurs vétérans locriens. Alors toi, tu vas partir aussi, désolé. A giant among men. Lui, on va le virer. Alors lui, il serait rang 4 de base. Ouais, on va en rajouter 2. Donc là, on aurait pas mal de perses armures déjà avec tout ça. Ajax, il aura une défense à 90. Et il nous faudrait deux lanciers lourds supplémentaires. Deux lanciers supplémentaires. Et on aurait une armée complète. Alors, ils ont combien de défense mes lanciers? 47. Eux ils ont 52 mes marins. C'est quand même ironique ça. Alors, alors. Et là, Darnani qui revient en force. Aïe aïe aïe. Ah, quand même, il va se bouger un peu, c'est bien. Ah, et les étoliens ils sont en train de se pointer. Bon là fallait s'y attendre hein. Ok, il a été rasé, ça règle un problème en partie. Donc je suppose que Repos va subir le même sort. La quête ne tient qu'à un fil, on va pas se le cacher. Ah, ils ont abandonné Athènes, ça m'étonne ça. Mais ça sent plutôt la poche, je pense. Hein. Ah, déjà j'ai un antagoniste. Ah, tiens, c'est Hector, mon antagoniste. Ok. Je sais plus, il y avait une four. Il y avait un truc pour voir c'était ton antagoniste, comment le. Ah, 3 et pas. Donc déjà 3 et Paris, hop, ils sont tous confédérés. Donc ça fait que là, on aurait peut-être un truc. Là, les renommées, on en est où là?
On est à 31, donc là on est au niveau. On est au niveau. On est en renommée grandissante. Donc 15 relations avec tous les Danéens et 2 à l'évaluation des accords. Donc on va le voir tout de suite ce bonus normalement. Donc je pense que ça doit être 2 points dans autre, à mon avis. Hein. Est-ce qu'on peut signer des paix? Bon, toi l'Italien. T'as beaucoup de bouffe, je vais te demander 2000. Allez, 1000. 500. Allez, 400. 100, non, tu veux pas. Il a avoir son poil, monsieur. N'empêche, hein. Niveau déplacement, tu n'as pas été vers 3. Bah, j'aimerais bien, mais t'as vu tout ce qu'il y a, Momon. Allez chercher. Et si mes alliés étaient un brin compétent aussi, j'y serais déjà, peut-être. Allez, donne-moi ça. On fait toujours un de moins à gérer. Une autre paix, peut-être. Non, non, non. Non et non. Bon. Mais Timen, pourquoi pas. Bon, il y a des paix qui vont peut-être se faire petit à petit, on verra. I will not break. Bon. Prochain tour, on a ça. Ça va être cool. Et après, je vais partir dans quelle technologie, tiens. Allez, 8 de vitesse de course, ça pourrait être intéressant, ouais. Ça, ça peut être pas mal aussi, les unités lance-projectiles qui font plus de dégâts. Ouais, on pourrait faire ça, tac, 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 tac. Defending the righteous. Allez. Et peut-être qu'on va clôturer cette session par la bataille contre le toutou. Si elle passe, j'espère. Alors. Bon là mes alliés nous ont l'air de s'être refait une santé, on verra. Et moi ce qui me choque c'est qu'ils aient abandonné Athènes comme ça quoi. Il y a combien de trucs là? Il y a 7 unités, tu me diras. Oh, ça c'est ambitieux, petit, mais non, t'as déjà assez de bouffe comme ça. Moi j'en ai besoin de cette bouffe pour mes défis. Ah putain, et maintenant il y a toujours un lambda dans le nord qui, tu sais pas pourquoi, il casse les couilles. Tu sais pas. Donc ok, il y a tiers colonisé là. Donc là, toute la province au nord de nous est en guerre. Aïe. Ah, ça y est, on a de la puissance en attaque pour nos troupes. Ah ouais, là on sent un peu la différence. Hein. C'est plus la même chose, on va dire. Eh bah tiens, on va partir sur ça. Bon, 23 tours, hein, certes. Donc c'est-à-dire qu'au tour 92, on aura bouclé toutes les technologies de lance-projectiles. Alors je vais tenter un truc avec toi Momon, j'espère que tu vas pouvoir m'aider, c'est que t'amoches la garnison. On va essayer de s'emparer d'Athènes. Alors est-ce que ça passerait ou pas? Essayer de s'implanter dans le coin. 3 tours. On va laisser comme ça, on va voir comment ils vont réagir les autres, à mon avis ils vont pas aimer. Mais on va essayer de provoquer justement. Ah ouais, donc pour avoir les frondeurs de l'Ocrien vétéran, ça pourrait être utile ça. J'ai rajouté un petit peu de siège. Give no quarter. Alors, est-ce que je peux donner un nouveau truc à Ajax? Je vais annuler, tu vas venir me soutenir ici. Non, oula, où je l'ai pourvu lui.
Ils sont combien? Ah, ils sont 12. Oh, les sacs. Oh putain. Tu vois qu'il va attaquer Jin, je vais m'en prendre plein la gueule. Qu'est-ce que je disais? Ils nous disent une défaite honorable, ils ont quoi? Ça, ils craignent les projectiles, ça, ils craignent... Ils ont... Pff, je vais la tenter, hein. Ils sont... À Salamine, on peut tenir, je pense, avec un peu de chance. Ils ont juste cette bande de Dadarni qui peut être dangereuse, mais globalement, ouais, je pense qu'on peut espérer des choses. Hein. En plus, on a des, quand même des bons petits bonus avec les techs, on va essayer, hein. Alors, c'est encore la même ville, hein, on a l'habitude. Et je vais couvrir tout là, ici. Il y a un truc qui est dommage un peu, c'est que... Bon, si je devais refaire un système de garnison sur un Total War, c'est que en fonction de la capitale principale... Je parle de la capitale de province, bien sûr. Je ne sais pas ce que vous en dites. Je mettrai en fonction des bâtiments que vous construisez au niveau militaire, quelques unités par-ci, par-là, dans les petites villes, vous voyez, pour montrer un petit peu que la province a pris du grade et que la cité principale veille sur le développement de ces petites villes. Je ne sais pas si vous voyez l'idée. Je pense que ça pourrait être intéressant. Genre une ou deux, vous voyez, pas plus, quoi. Pour donner un peu plus de peps aux garnisons. Bon allez, c'est parti, les tireurs. Chut. On continue. Hey, 55 d'attaquants mêlés pour l'infanterie de marine salaminienne. Et 48 de défense. Les lanciers là, ils ont 40. Ils ont que 46. 48. Et là-bas, je suis à 35. Ouais. Et... Alors, on va faire gaffe avec les frondeurs. Parce que là, à mon avis, elles peuvent faire très mal. Hein. Les foutues sirènes. Après, si on les élimine vite fait, bah tant mieux. Je vais peut-être faire gaffe avec mes tireurs ici. Ah, ça tire de si loin ces cochonneries, bah punaise. Il y en a qui se font pas chier. Ils sont combien de portées, sérieusement? Bon, on va les réduire hein, petit à petit. Une de vos unités n'a plus de munitions. Bon, les sirènes, ça tombe ou ça tombe pas là? Ah, c'est des vraies saletés, hein. L'ennemi a repéré vos unités dissimulées. Voilà, elles ne reviendront pas. On va vite se concentrer sur ces escarmoucheurs ici. Par là, ça a l'air de tenir. Tenter un petit flanking à la troupe de Dardani. Eux, ils ont pas l'air d'aimer les tirs. Bon, par là, ça tient, mais difficilement. Là, les frondeurs sont en train de faire le job. Par contre, là, les 8 sirènes, oui, oui, bien sûr. Bien sûr. On peut pas s'emballer à Mars non plus. Voilà, hop, les sirènes, ça tombe. Ça se passe comment? Ah, yes.
ça craque de l'autre côté, je suis mort. Faut que je fasse le tour. Je vais faire reculer mes frondeurs. Allez, plus vite. Allez. Allez, on va tenter le tout pour le tout. Là, il faudrait essayer de faire craquer cette troupe de Dardani. Eh, il a l'air de galérer, lui. Vos guerriers ont été mis en déroute. De l'autre côté. Oh putain, ça se passe mal aussi, putain. C'est mal paré pour l'instant. Votre héros se fait attaquer. Bon, bah, bisous, hein, comme d'hab, hein. L'IA qui est une vraie salope, oui, je vous le dis. Ah, j'ai 80 lanciers, là. Vous avez perdu une unité. Bon, là, ça va être compliqué, lancier, ouais. Faites attention, vous perdez du terrain. J'en ai tué quand même 400, ouais. Ouais. Ça, la garnison, elle a bien tenu, hein. Et il s'empare de ça, l'ami, le sac. Je vais aller la récupérer, hein, j'ai pas le choix. Et oui, il y a Serpédon, bien sûr, derrière. Non, mais bon, faut arrêter un peu l'abus du jeu, là. Alors, je vais peut-être pas comprendre le genre derrière. Je sais pas. Ils viennent en masse. Non, je vais la tenter en truc. Voilà, je vais perdre beaucoup de troupes. Ouais, j'ai perdu beaucoup de troupes. Mais bon, je vais prendre 14% de reconstitution. Oh, génial. Génial ce qu'a fait mon allié là, ça c'est plaisant. Je vais raser Athènes. Hein. Je vais la raser. Raise it. It feels good to improve. I solve your problems. Par contre, faut que je dise à Pylos de pas me prendre la ville. Hein. Parce que là, il va me foutre dans la merde sinon. It would please me to speak with you. Va me chercher Serpédon. Il tac. Va chercher peut-être Kla, tiens. On t'a utilisé Sparte. Va me chercher là. Et la petite. Va me chercher Serinthe. Voilà. Alors, Ajax est en 18. Maintenant, qu'est-ce que je peux lui mettre? Alors, on va lui mettre un peu de folie furieuse. Voilà, ok. Et Salamine, il retombe au rang. Hein. Ça, c'est horrible. Bon, au moins, on aura de la résistance en moins au siège pour l'avenir avec Ajax, c'est pas mal. En vrai, faut le build à Ajax, là, c'est ça le problème. Là, on va avoir des fondeurs locriens. Là, ça va être intéressant aussi, ça. Au nord, c'est très... Ça, ils s'entretuent, c'est bien. Ouais, tu peux rêver, Serpidon. Qu'est-ce qu'il fait encore? Qu'est-ce qu'il va faire? Oh non, mais c'est abusé, là, le jeu. Les couilles. Ah, il veut m'enculer le jeu. Il a dit je vais morfler. En plus, il se fait pas prier. Il vient me prendre des jeans comme ça. Bon bah ok, hein, je perds encore toutes mes villes de base. Youpi. Heureusement que j'ai fait des réserves.
Ah, le mur, je sais pas où il est. Il est ton mur, Momon, mais... Le mur connaît pas. En plus, je me prends une colère de deux, alors je me prends tous les trucs de merde dans la gueule. Defending the righteous. More recruits should help. Cut them away. Non, il faut aller récupérer ça à la mine. Hein. Hit them hard. Bon, ça va. Là, on va être pas mal. Je vous jure, il y en a qui touche à Salamine ou Aijin, je le tape. Oh non, il y en a... Ah, Ajax, il a récupéré Athènes. Ça, c'est plutôt un bon point. Ajax, Agamemnon. Et il y a une équipe qui se pointe. Non, mais sérieux, quoi. Bon, il est à moitié amoché, tu me diras. Il faut se refaire notre arme et sinon là c'est cuit. Hein. Comme ça, Salamine, Aijin, boum. Sarpedon, là il sera pas prêt de revenir. Mais je pense que je vais devoir filer des colonies à des alliés parce qu'il faut qu'ils fassent quelque chose. Je sais pas moi à quoi sert d'avoir des alliés sinon. Le codage des. Putain, quelle enflure. Bah tiens, deux armées, sérieusement là le jeu. Oh, vas-y, va te faire foutre, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai plus d'armée, j'ai plus rien, quoi. Le jeu me fout deux armées sur la gueule, mes alliés ne font rien. T'as un lambda, il vient m'emmerder, tu sais pas pourquoi, mais il vient t'emmerder. Je crois que j'ai pas compris le légendaire, je crois. Hein. Ah, vous irez voir des PGM comme ça, si ça vous plaît pas. Ah, Mycène et Petit, qu'est-ce qu'on fait derrière Sparte et Pylos. Ah, je sais pas si je vais restart. Je vais réfléchir. Ajax qui est blessé. J'aurais dû aller chercher le Cerbère plus tôt possible, quoi. Bon, déjà en attendant, alors. On va essayer de se refaire une armée. Déjà. Après, on a des bonnes unités quand même. Hein, on va essayer d'avoir un peu, essayer d'être optimiste. On va attendre, on va se reformer le plus rapidement possible. Salut Loubou. Ah bah ouais, je suis déjà dans la merde. Il me reste plus qu'une ville, mon cher Loubou. C'est la même merde. Donc là, j'ai quasiment plus rien. Mes alliés essaient de tenir, mais bon, Hector qui devient trop costaud, là, c'est chiant. Il y a eu deux confèdes avec Sparte et Mycène, donc ça fait toujours deux gars de moins, mais bon. On va essayer de faire le maximum. Ouais, une ville et Cerbère, ouais. Peut-être que j'aurais pas dû faire la bataille, j'aurais dû me replier, mais bon, il m'aurait poursuivi, je pense. Et ils sont tellement nombreux, les cons en face. Ouais, le Cerbère, j'ai failli le battre à ça, bon. J'ai perdu tous mes trucs, là j'avais des petites possessions par-ci par-là. Ou Argos. Knossos n'existe plus. Attends, Argos a confédéré Mycène. Il me reste combien d'alliés là? Bon, par contre, là, il faut faire quelque chose, les mecs. Hein. Je veux bien tout ce que vous voulez, mais il faut se bouger. Allez, bouge-toi. Ah, attends, on est remonté. Ah, ok, bon, on va refaire notre armée tranquillou.
Donc on aura 3 marins de Salamine en plus ici. Je pourrais pas faire les archers de Tegros, ils coûtent beaucoup, beaucoup trop cher. Les frondeurs locriens, je vais en prendre 2 déjà. Deux escarmoucheurs. On va partir sur ça. On va faire les archers. On a vu bof que ce que c'était. On va prendre ça, ça. On va prendre aussi 4 lanciers. Il va me rester quoi à former? Il va me rester 3 unités. Il va me rester 3 unités. I'll win or die trying. On va prendre ça, 2 escarmoucheurs, on va en avoir besoin, je pense. Hein. Et le dernier. Allez, un autre marine. Alors, dans 6 tours, notre armure on sera refaite. Ouais, j'espère. Et Ajax devrait être de retour, bon. Ah, tu as de la bouffe quand même, pierre et bronze, c'est juste en or. Bon, ça se tient pour l'instant, bonne administration, donc tu as moyen de t'en sortir. Ouais, bah il faut que je refasse mon armée, Loubou, si je veux avoir mes chances. Mais au nord, c'est tellement compliqué. Bon, mes alliés, là, ça tient, tu vois, comme je dis. Mais bon, le bloc Hector Dardani, il est très, très fort. Et Hector a déjà confédéré son frère étroit, donc ça va être chiant pour la victoire homérique, mais il faut falloir le faire. Mais il me faut le Cerbère, sinon je sens que je vais pas y arriver. Déjà que t'as une armée de 17 qui est là. Ce qui me rend fou en légendaire, c'est comment il arrive à tuer des armées comme ça, quoi. Je sais qu'elle est forte, mais bon. T'as le Dolopien, il vient maintenant. Je sais pas ce qu'il va encore foutre, lui. Oh putain, et là, l'autre qui est en guerre contre ça, mais sérieux. Et t'as un lambda du fin fond du trou du cul du monde, il vient te chercher. Il vient chercher ton allié, comme ça, tu sais pas. Ils sont combien, un 6 et un 7? Tu sais quoi, on va attendre 2 tours, on va déjà reprendre ça pour commencer. Ajax, il en est où là dans son retour? Il faudra encore un tour, tu me diras. Donc au prochain tour, on aura ça pour les coups de recrutement des unités de lance-projectiles. Voilà, on va attendre. Et là pour le moment on a que la Dardanie sur le dos. Hein. On n'a pas Hector. Hein. Hector il est dans son coin, tu sais pas ce qu'il fait. T'as, j'ai réussi la campagne avec Hector. Bon c'était pas en fait le même, c'était en légendaire, tu vois. Avec Ajax je galère quoi. C'est dingue. Je pense que c'était en normal à Hector à l'époque, je sais pas. Après il y a eu des rééquilibrages certes, mais bon. C'est dingue l'expérience quoi. Les chars ils servent plus rien. Ah. Oh, la Dardanie qui a pris Athènes. Oh, ça pique. Maintenant, eux, ils viennent attaquer. Mais putain, mais c'est quoi? Tu sais où c'est que tous ces Mongols qui viennent t'attaquer, tu sais même pas pourquoi. Ah non, mon bon, j'en ai besoin, mon gars. Non, il déconne pas avec ça. Ah, Salamine, il l'a rasé. C'était pas très intelligent, ça, mais bon. Ah. Un héros était blessé, dommage. Donc, toi, t'as pris un rang, félicitations, mais tu vas pas me servir. Est-ce que Ajax est de retour?
Ah, encore un tour. Bon, ok. Bien, bien, bien. Donc je vais prendre un autre comme ça, un autre comme ça. Allez, je peux pas prendre un autre frondeur locrien, sinon ça va pas le faire. Tiens, je me souvenais pas que ça coûtait du bronze. Bon, on va faire avec, tu me diras. Et j'embarquais un lancier, comme ça on en aura déjà 4 de près. Et là, je vais essayer d'aller chercher ça à la mine. Faut pas que lui, la recolonie, là, ça me ferait chier. Le lecteur, il est dans le nord. Hein. Ah oui, d'accord. Là, ça commence à sortir en masse, là, le nord. Putain, il a reconnu les salamis, mais j'ai des alliés débiles. Hein. Faut vous le dire. Ah là là, bah voilà, c'est game over. Oh. Le restart, je sens que ça va y être. Il n'y en a pas un qui va venir. Il y en a un qui va se bouger le cou pour venir m'aider. Hein. Ça, vous pouvez vous assurer. Et pirote maintenant. Tu sais pas pourquoi? Laissez pirote. Pélage. Bon, là, ça peut être logique. Le jeu, il a dit, je n'arrivais pas à faire de campagne légendaire sur Total Troy en sur Steam. Il m'a dit ça. Ah, Victor Academy quand même. Bon, on va la prendre. Dégage-toi. En plus, c'était aîné, hein. Casse-toi. Ajax est de retour, vite. Qu'est-ce que je voulais faire, Ajax? Allez, mon vieux. Ajax the Great. Donc déjà, je vais reprendre 3 marins de salamine et un escarmoucheur. Par contre, là, toi, t'as intérêt à me rendre mes villes. Alors, Argos. I'm looking forward to this. Tu mens, salamine. T'es sérieux, là, 47? T'es un enculé, quoi. Qu'est-ce qu'il veut? J'ai 67 000 de bouffe. Si je te propose 50 000. Ah oui, toi, la bouffe. Chut. Le bois, on va essayer. Allez, 15 000. Pff, il s'en fiche. Alors, ça va. Pourquoi ça va pas? Qu'est-ce qui va pas encore? Ah oui, je suis 35, force 59. D'accord, je vois le joueur. Bon. Bah t'inquiète pas, la position de faiblesse, je vais essayer de vite rectifier le tir parce que là, ça va être compliqué. Donc, 3, 6, ouais. Bon, on va se refaire, on va pas paniquer. Il faut espérer qu'une autre armée ne vienne pas, quoi. Bon, on va essayer d'être positif et se dire que là on est au plus bas et qu'on peut que remonter. Hein, il va peut-être s'emparer de Salamine, lui. Ah bah tu m'as. Si tu fais ça, je te remercierai là, Aine. Oh non, t'en regardes avec la Hippolyte, faut pas déconner non plus, quoi. Ah, Aine, il a reconstitué ses forces là. Alors, après Cerber, non, c'est pas parti en couille. En fait, il y a eu un truc, alors, je sais pas. T'as un lambda, je sais plus lequel. Une faction que tu joues même pas, qui a déclaré la guerre à Argos, et là, ça, c'est parti en cacahuète, quoi. Avec Ajax, j'ai réussi à battre tous les généraux de 3, légendaires. Tiens, je vais te montrer.
au niveau des trucs de compétences. J'ai réussi à battre Hector, Paris, Sarpedon, puis Aîné. Je les ai enchaînés. Et j'ai avec le Cerbère, ça allait, tu vois. Donc là, on a encore 4 trucs à faire. On va recruter les 4 lanciers tout de suite, au moins ce sera fait. Après, je vais repartir sur... Ah, il faudrait peut-être que je fasse une petite prière, tiens. Ah bah tiens, mon truc à Hephaïstos, tu sais pas. Hop. Merde, je me suis planté, c'était Hephaïstos, bon tant pis. Voilà, on aura un truc, un bonus pour Hera, ça peut toujours servir. Vas-y, allez, aîné, aide du cran et va t'emparer de Salamine. Ah bah, il s'est fait exploser, ok. Voilà, Argos, on va essayer de rééquilibrer un peu le débat. Ou alors, il faut que j'essaie de m'emparer d'Athènes avec l'armée d'Ajax et j'échange contre Salamine. Ça peut être un move hein, pour essayer de se sauver. Et après, je recontre-attaque derrière pour Sarpedon. Là, je suis en train de buffer tous mes tireurs là. Et l'armée de Tecros, je peux même pas l'utiliser. Tecros, parce qu'il est bloqué dans l'expédition pour le moment. Il me donne un traité de paix, lui. Allez, let's go. Il est loin, loin. Il me donne 416 d'or, je vais pas cracher dessus. Non, toi tu peux rêver. Je te chierai dans la bouche, ça sera la même chose. Je pense que là, j'ai peut-être mon plan de revenir, de comeback. Je vais essayer d'échanger Athènes là contre Salamine si je m'en empare. Oh, à qui c'est là, on va faire gaffe aussi. Ok, on pourrait faire ça le truc des géants. Ça me coûterait combien? 485. Allez, on va faire le truc, la ville de la citadelle Cyclopéa de niveau 5. Ça va donner quoi? Un mur d'Ajax, un lancier de Salmine, deux épées de Salmine, ça fait 4 unités, 5. On va avoir 10 unités quand même. Il faudrait que j'arrive à faire ça quoi. Ou alors je vais à l'archerie, tu me diras. Je pourrais virer l'archerie, je fais une garnison. Ouais, on va faire ça. Hein. On va les s'emparer d'Athènes. Ouais, bah ça peut se comprendre. Ou bon, hein, j'essaie de faire des choix cohérents et je suis pas récompensé. Ça m'agace un peu, quoi. Voilà, toi, hop. Ah ouais, 35. Bon, écoute, mon vieux. Alors, ce que je te propose, alors attends, où est-ce qu'il est? Donc, on est antagoniste avec Hector, bon, ça fallait s'y attendre. Ah, bah, je l'avais pas lu ça. Après, s'en être pris au Dardéen dans un effort de visant mettre 3 à l'abri des conquérants en jeu, voilà qu'Hector dirige sa colère sur son ami. Oh, grand Ajax, nous sommes tous deux dignes protecteurs de notre peuple. Toutefois, l'un de nous va devoir tomber au combat pour permettre à l'autre de triompher. Je vais briser votre puissant bouclier de ma lance et tous verront alors ce qu'il en coûte de convoiter ma cité bien-aimée. Le prince de Troie dit vrai, vous devrez l'anéantir si vous voulez que vous alliez et la moindre chance. Eh bah, youpi. Maintenant, on va essayer le move. Alors, je dis bien essayer. Ouais, c'est Hector. En même temps, je suis à moitié surpris, lol. Échange de région. Attends, quoi? Et Athènes, ça compte pour du beurre ou... Ouais, bon, ok, d'accord. Je vois le genre. On va mettre du bonheur déjà. On va peut-être attendre un tour le temps qu'on la récupère.
Bon, dans le nord, pour le moment, je sais pas où ils sont, mais ils ont l'air d'être loin dans le nord et c'est pas plus mal, tu me diras. Qui reste loin pour le moment? Mais là, je suis dans une sale mer de noir. Ah, cette cité a été rasée là au repos. Ça, c'est bien, ça nous laisse un petit peu de repos. Si je commence à faire des traités avec toi, tu me donnes... Ouais, bon. Pour le bois, je veux bien la limite, tu vois. Lui, il est en guerre avec les Troyens, donc pourquoi pas, on va prendre ce qu'il nous donne. Non, 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 non. On va les calmer, parce que, bon, les conneries, c'est gentil, c'est mignon. Je croyais avoir des trucs d'Athènes, là. Oh, Egine a été rasée. Oh putain, s'il me recolonise l'autre, mais il faut qu'il arrête. Après, oh attends. Si tu me donnes Salamine. Tu te fous de moi là. Je suis renforce 40 et renforce 52. Oh là 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 là, je suis. C'est pas possible. Alors je vais prendre toi. Je vais prendre toi. Enfin tous les deux. Il me reste encore deux places. Un javelinier. Parfait. Et je vais pas briser l'alliance avec Argo. Je suis pas fou non plus. On va améliorer la ville en attendant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? On va faire le truc des géants aussi, ça va nous être utile. Point de compétence Ajax, il est rang 19. Voilà. Ça va devenir un char d'assaut. Tant que j'aurai pas. Alors attends. Là ça fait 15 et 3, 19. Ouais. Bah, vous savez quoi? Écoutez, je vais terminer ce tour. Je vais arriver au tour 80. Je vais m'arrêter là. Demain je continuerai la campagne quoi qu'il en coûte. On ira jusqu'au bout. On va tenter. Hein. Il faudrait juste qu'on essaie de récupérer nos villes. Parce que là sinon ça va pas être possible. Entre mon frère bloqué dans l'expédition et ça et tout. Diomède qui fait. Bah, qui fait pas grand chose quoi. J'aimerais juste lui changer mes villes pour récupérer des ressources. Il a récupéré deux de mes villes, hein, le saligo là. Ou alors faut que je migre. Mais pour aller où? Ah oui, j'ai oublié d'installer ça sur Steam, 3h30 d'achat. Je me suis dit le temps que qu'il me faut que je pour préparer demain, d'accord. Ah ma. Allez. Donc là, ça va me retirer 2 points. 5 points. Voilà. De toute façon, il faut renforcer mes gars. Hein. C'est notre rempart au nord, donc il faut faire quelque chose. Bon, Argos. Maintenant, tu commences à être intéressé. Pardon. Non, mais... Eh, le mec, je veux pas dire, hein. Attends, si je te... Alors, admettons, je te fais un échange. Égine. Athènes. Ok. On a quand même pas des relations dégueulasses, mais bon, bref. Alors, au niveau du guerrier drone, on est toujours à 31.
Tu sais quoi, j'ai tenté un truc. Tu sais quoi, on va améliorer avec ces trois-là. On va réessayer pour voir. Make yourself comfortable and tell me what's on your mind. Ah bah, je veux que tu montes mes villes. Tu veux pas? Bon, ok. Bon, on va devoir se démerder avec ça. Hein. Le truc le fun total. J'essaie de négocier Marathon. Ah, si Tag le veut, bien sûr. I feel sure your heart is open to ça my coûterait combien ça? Pff, oh là là, vache. Ah oui, attends, c'est sûr qu'avec deux villes comme ça, je vais attendre, je vais tenir longtemps, moi, tu vois. C'est la crise, hein, mais tout va bien. Voilà, côté cette avant-garde. Donc dans deux tours. Je vais encore pousser deux tours, les gars. Je vous demande juste deux petits tours. Le temps d'avoir... Alors, attends. Je sais plus à chaque si je l'avais équipé d'un objet... Ouais, la lyre d'Amphion, c'est bien ça. La lyre d'Amphion, ça, d'Amphiron, ça nous permettrait d'avoir plus de... moins de temps de construction, donc ça réduit deux tours, quoi, pour les trucs. Qui est vraiment utile. J'aimerais tellement qu'il se prenne... Déjà, j'aimerais bien que Guillaume se prenne une raclée par-ci, par-là. Moi, je récupère mes villes. Ouais, mais bon, va-t'en attaquer Thèbes. Oh, il y a eu un bordel au nord, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça s'est mal passé. Déjà là, ça va être bien fortifié. Athènes, je vais faire pareil. Tu rêves, toi. Non, mais hein, ils se font pas chier quand même. Hein. Moi, ce que j'ai horreur, c'est de pas avancer dans une campagne. J'ai ce sentiment là. C'est qui me demande ça? Si je refuse, tu me déclares la guerre, c'est ça? Ah, ok, hein, let's go. Hein. Un de plus, hein, tant qu'à faire. Ah. I never fought her. Sparte a enfin fait tomber Sirmata, hein. Ça fait un moment. Chut. Ok. Bon, déjà là, ce sera un peu mieux fortifié la ville. Ça donnera des bonnes choses. Bon, là, Athènes, pour le moment, on peut rien faire de plus. Comme ça, là, on va terminer ce qu'il nous faut. On va se mettre à Athènes en attendant. Alors qu'on va perdre de l'ordre public, on perd que moins 2, ça va. Là, le bonheur va remonter à, hop, à plus 1. Et on fera le dernier bâtiment là. Le mec n'a que 7 unités dans l'armée, mais t'en as 19 en garnison, Loubou. Alors, oh, si tu veux y aller. Thèbes, cette porte. Un grand malheur s'est abattu sur le roi Tidée et ses 6 compagnons. Enjoy pour Thèbes. Hein. I never falter. Attends. J'ai juste regardé un truc par curiosité. Alors, où porte des enfers, c'est où ça? Admettons. Bon, lol, c'est un peu mieux que tout à l'heure, mais bon. Donc il y a 26 unités en garnison. Donc là déjà, si je veux faire cette foutue bataille contre le Cerbère, ça va être chaud. Je vais pas vous le cacher. Je vais essayer de faire en sorte de buter le Cerbère, bien sûr.
En vrai, il faudrait que je focalise mes tireurs, mes fondeurs sur les archers. Et on a 190 de portée avec les vétérans locriens, 180 là. Ça va être mon va tout. Donc, ce que je vais essayer demain, c'est de récupérer le Cerbère, essayer de l'améliorer. Ensuite, essayer de récupérer mes villes par la diplomatie. Si j'ai le Cerbère, j'espère que ça a donné du poids. Et on verra. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir. Ça va être compliqué.